Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des connaissances. Alors par contre, si ouais, vous voyez avoir un coup de chaud, c'est parce que je fais mon petit sport sous la chaleur, mais en forêt. Ce qui permet d'avoir un peu plus de mais un peu moins, d'être moins étouffé. Pourquoi je fais ça? Pour me mettre en condition difficile. J'ai pris un sac, j'ai mis des bouquins dedans, histoire de faire un poids, parce que voilà, je suis vraiment décidé à être en forme. Mais bon, passons. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des connaissances. Toujours mieux d'en avoir plus qu'une, c'est pas du tout. Donc en fait, hier, avant d'aller dormir, je lisais un livre sur la survie, sur le bushcraft. Et où, dedans, il parlait beaucoup de certains mythes sur la survie, ou aussi des choses qui sont pas forcément utiles et qui sont parfois peut-être un peu exagérées. À ce moment-là, je me suis dit effectivement, il a peut-être raison, dans le sens où effectivement, moi j'ai pu, j'ai quand même pas mal de manuels de survie, et c'est vrai que des fois, la plupart du temps, il y a genre, plus ou moins les mêmes sujets dedans, forcément. Mais il y en a qui vont être plus travaillés que d'autres. Il y aura plus de détails ou moins de détails. Et aussi, parfois, ils vont vous dire, « Ouais, non, vaut mieux pas faire ça. Vaut mieux pas aborder cette technique parce que soit elle est trop compliquée. » Je donne un exemple, faire du feu par friction. Il faut avoir une certaine qualité de bois pour le faire. Et donc, faire du feu par friction, ça demande du temps et beaucoup d'entraînement. Bon, en situation de survie, le but n'est pas de faire plus fort, mais de survivre. Et donc, j'ai eu ma petite réflexion, je me suis dit effectivement, dans mes lectures, dans mes recherches d'informations, c'est toujours quelque chose que je fais. J'aime bien voir plusieurs livres, on va dire, sur le même sujet. Parce qu'il y en aura qui vont aborder plus dans le détail, moins dans le détail, qui vont être d'accord ou pas d'accord. Donc ce que je voulais vous dire en fait, c'est que ne vous attardez pas que sur un bouquin ou que sur une information. Allez chercher plus loin. C'est toujours mieux d'avoir deux informations et de les mettre en pratique. Ça, c'est ce que je vous recommande vivement à faire. Et surtout, plus vous allez mettre en pratique, plus vite vous allez être rapide et moins vous allez sous pression au moment où il faudra le faire. Et ne vous limitez pas à juste une petite connaissance, allez toujours plus loin parce que ça c'est ce qui va mettre en avant votre... c'est ça qui va faire travailler votre esprit au moment où vous en aurez besoin. Vous allez faire ça, bon bah ça va marcher, bon on va essayer l'autre. Et c'est en faisant, c'est en essayant que vient la réussite. Comme je vous dis souvent en ce moment, je vous dis personnellement, chaque petit pas est important pour faire un grand chemin. Ne vous arrêtez pas à une seule connaissance, un seul sujet. Essayez d'explorer. Aujourd'hui, en plus, on a l'opportunité, j'irai, et heureusement aussi, là, OK Google, et puis là, vous pouvez accéder à toutes les informations, n'importe où, n'importe quand, et vous pouvez accéder à toutes sortes d'informations. Donc, n'hésitez pas, voilà, même en regardant mes vidéos, regardez-les. Ah, tiens, vas-y, tiens, je me pose une question,
aller chercher. C'est mieux d'aller chercher aussi par soi-même. Évidemment, regarder ma chaîne, moi, ça me fait plaisir. Mais parfois, je peux quand même mal m'exprimer, chercher les mots. Alors, le mot, il est complètement basique. Mais voilà, parfois, peut-être, je peux me tromper. Ça arrive, et je ne serais pas contre quelqu'un qui me dit, voilà, je me suis trompé à ce moment-là. Moi, j'ai déjà fait ça comme ça marche plus ou mieux. Voilà, bon, je ne suis pas contre à ce sujet-là. N'ayez pas peur de me le dire aussi. Et donc, voilà, mais allez creuser le plus d'informations que vous pouvez. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut vraiment. Que ce soit dans la permaculture, dans la survie, voilà, dans tout ce que vous aimez. Au final, ça ne s'arrête pas à la survie. Si vous aimez faire des recettes de cuisine, là c'est pareil. Il va y avoir des bouquins qui vont avoir. Plusieurs bouquins vont avoir la même recette, mais il y aura toujours un ingrédient en plus, en moins, une manière de le faire. Et pour la survie, donc c'est pareil, il y aura toujours une technique avec un truc en moins ou en plus. Voilà. Bon, ne vous arrêtez pas à un seul sujet. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis bonnes vacances. Ciao les amis.